Salut les amis, bienvenue sur Exomandra TV, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager une nouvelle astuce pour gagner un maximum d'argent d'une manière plutôt facile et en plus qui marche avec les derniers patchs. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Dans un premier temps, il va vous falloir tuer un animal plutôt de grande taille de préférence. Donc moi j'ai opté pour un cerf. Donc vous tuez un cerf, vous le récupérez tranquillement, vous le tuez de la manière dont vous voulez, hein. Vous pouvez le massacrer de balles et tout, le principal c'est d'avoir un animal mort. Vous le récupérez, vous le mettez sur votre selle. Ensuite vous allez aller près d'un cours d'eau où il y a des poissons. Alors de préférence, moi je vous préconise d'aller à cet endroit là. Je vous montre dans la vidéo donc l'endroit sur la carte que je trouve le plus adapté à cette petite stratégie. Le but est de trouver un cours d'eau avec des endroits où il y a très peu d'eau. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, ça va être tout simple. Il va falloir déposer le cadavre de l'animal au bord de l'eau, mais vraiment dans un endroit où il y a très peu d'eau. Et vous allez voir, vous vous mettez sur un rocher, vous vous éloignez un petit peu. Le mieux c'est de monter sur un rocher, comme ça vous n'effrayez pas les poissons. Et vous allez voir, en quelques secondes, si votre animal est bien posé, vous allez avoir plein de poissons qui vont venir autour. Alors ce qui est rigolo, c'est que justement en venant autour, les poissons ils vont sortir de l'eau. Et comme vous pouvez le savoir, dans Red Dead Online, dès qu'un poisson sort de l'eau, ne serait-ce une demi-seconde, il meurt instantanément. Donc après, c'est tout simple, il suffit de ramasser. Je vais vous laisser défiler dans la vidéo des exemples et vous allez voir que par moment je vais avoir plein de poissons qui vont arriver. À un moment donné, vous allez carrément voir, vous allez avoir 3 saumons rouges qui vont arriver et qui vont s'échouer. Et moi ensuite, juste à les ramasser. Donc avec cette astuce là, si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous mettez votre cadavre d'animal, vous attendez. Et après vous venez ramasser les poissons et alors là, ça va y aller. Hein. Vous allez ramasser un maximum de poissons et ensuite direction chez le boucher pour vendre tout ça. Et vous verrez en quelques minutes, vous allez ramasser plein de poissons que vous allez vendre. Et du coup, vous allez récupérer pas mal de dollars. Donc comme d'habitude, c'est une petite astuce qui permet de gagner des sous. Bien évidemment, il faut avoir un petit peu de temps devant soi. Mais elle est quand même assez rapide et beaucoup plus efficace que la vidéo que j'avais partagée sur la cascade qui a été patchée. Et notamment sur le marais dans le bayou aussi qui a été patché. Mais là, ça va 10 fois plus vite parce que là, vous posez votre cadavre et les poissons vont arriver, quoi. Mais alors des poissons de toutes sortes et il y a juste à ramasser. Et ça peut vraiment aller très très vite. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres astuces en vidéo ou alors sur un live. Je vous dis à tous une bonne journée.